j'espère que vous allez bien. On est présentement le 2 janvier. On est à Rivière-Well. On a loué une petite chambre d'hôtel à l'auberge. La baleine en diable, parce que je me souviens plus vraiment le nom de la place. Parce que hier, ça se passait chez mon oncle. Je vous ai pas filmé vraiment de la journée. Fait que c'est ça. Puis là, on est là, on relaxe un peu à matin, on va partir bientôt. Ben, on est à Rivière-Well, on se promène. Puis là, j'étais avec mon chien dehors. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'extérieur. On est comme dans un gros champ en arrière. Ok. Benji est pas trop loin! Fait que c'est ça les champs en arrière. Là-bas, il y a la table. C'est comme ici. Je me souviens, on était déjà venus, mais voilà longtemps. On pouvait boire une bière ici. Puis regardez ici, Rivière-Well, il n'y a plus de neige! Il n'y a plus de neige du tout. Ben, du tout. Quasiment plus, là. Une neige. Ça gelait un peu, là. Ça. Ici, Benji! Tiens, je vais vous montrer c'est quoi. C'est ça. C'est la baleine endiablée. C'est une microbrasserie. Mais là, elle est fermée. Au du jour de l'an. Benji, on reste ici, hein? Pour vous montrer à quoi ressemble une chambre, il y en a une ici. Que les sens sont ouverts puis il n'y a personne dedans. Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Fait qu'on a le lit ici. Parce que nous, c'est un peu bordélique pour vous montrer. Ça, c'est une petite chambre. On voit un petit peu, mais on voit plus le background de mon chien. Sinon, on devrait remonter aujourd'hui à Québec. On est juste descendu un petit aller-retour. Fait qu'on devrait redescendre aujourd'hui. Et je vais vous en aller avec moi un peu dans ma journée. Là, hier, je vous ai mis un vlog en ligne le 29. Puis, j'ai pas pu continuer à faire d'autres montages parce que la bibliothèque d'audio était plus disponible. Elle était pas disponible. Elle était comme en maintenance sur le site. Fait que j'étais obligée de télécharger de la musique ailleurs. Puis là, ben, j'ai pas eu le temps. J'avais les bagages puis tout à faire. Fait que je me suis dit que j'allais prendre un break. Puis, j'allais recommencer. Ben, j'ai essayé! Fait que moi, je vais vous laisser et on va se parler plus tard. Voici la chambre quand on rentre. Là, faites attention au bordel. Là. On a un frigo, un lit moyen, un lit double, un divan-lit, une table, un fauteuil, un grand garde-robe, un petit coin café, la vue que je vous ai montrée dehors. Là. Puis on a la salle de bain ici. Ben chill. Mais normal, mais pas avec les produits pour le bain. Puis pour le corps. Et que c'est ça. Nous, on s'en va. À plus. Bon matin. Bon mardi matin. Et. Bienvenue en 2023. Parce que je pense que je vous ai même pas souhaité la bonne année. La dernière fois que j'ai filmé, c'est hier matin où est-ce qu'on était à l'auberge. Puis le avant c'était le 31. Je vous ai même pas filmé le 1er janvier. Fait que bonne année à tous. Comme on dit, bonne année, grand nez. Je vous souhaite tout ce que vous désirez. Amour, paix, bonheur, joie. Que tous vos rêves se réalisent en 2023. Vos rêves, vos buts, vos objectifs, vos résolutions pour ceux qui en ont pris. Moi, j'en ai pas pris des résolutions cette année, mais j'ai quand même des objectifs que j'aimerais atteindre. Mais sans me donner de pression non plus.
je vous en parlerai peut-être dans un prochain vlog ou dans un prochain vidéo. C'est juste des choses basiques de la vie, puis des choses que je faisais bien avant, que j'ai ralenti ou que j'ai mis sur pause, que maintenant je voudrais mettre sur play pour mieux, ça, des choses qui vont m'aider pour moi, pour ma santé mentale, pour le quotidien de la vie. Fait que, bonne année à tous. Ce matin, ma fille est en train de déjeuner. Des céréales avec des morceaux de pommes puis une banane. Hier, j'allais faire un tour à l'épicerie puis Moses que ça coûte cher maintenant. J'ai reçu un cadeau de ma moraine puis j'étais allée faire l'épicerie avec ça. Ça m'a coûté 69,5 là, parce que j'ai payé en argent. Il me restait 70 sur moi. Fait que... Parce que j'ai toujours pas recommencé à travailler et j'ai toujours pas eu de nouvelles du chômage maladie à cause des fêtes et du ralentissement. Fait que c'est ça. Fait que pour le moment, je vis de mes allocations. C'est que le but, j'avais eu un cadeau de ma belle-mère, de ma marraine, que j'ai. Parce que je suis descendue à la Pocatière dimanche, moi, mon chum, ma fille, mon chien. Puis on est allé fêter le jour de l'an avec ma famille à moi. Il y avait vraiment tout le monde. Puis on était beaucoup de monde. Ça faisait vraiment du bien. On était en bonne compagnie. J'ai joué au piton ou au toc. C'est entre le toc, le parchessis. Puis eux autres, ils appellent ça le piton. Puis j'ai gagné avec mon oncle. On a quand même gagné de justesse parce que mon parrain, il nous suivait de proche pareil. Mais il se faisait manger à tour de bois. Dans le fond, on mangeait. On se faisait manger, on ressuscitait, mais c'était vraiment bien le fun. Je vais vous mettre un autre vlog prochainement aujourd'hui sûrement, un vlog du 30-31 janvier. Ah, je t'avais mis 30-31 janvier, mais non, c'est 30-31 décembre. La maman est capote. Mettons que la nuit dernière n'a pas été une belle nuit. On était à l'auberge La Baleine en Diablée. Parce que vu qu'on avait Benji et qu'on voulait pas couper le sommeil en deux d'Amélia, on s'est loué une chambre dans une auberge. C'est la seule place qui accepte les chiens. Fait que c'est pour ça qu'on est allé là. Bon, c'est ça. Fait que c'était la seule place qui acceptait les chiens, vu que c'est là qu'on est allé. Mais on est quand même, moi j'ai quand même bien dormi, là, c'était confortable. Tout. Là, ce matin, je prépare des œufs bénédictins. J'ai pas de fromage, mais c'est pas grave, ça va être bon pareil. J'ai pas de viande non plus, fait que ça va être végétarien. Ça va être des œufs, ça va être ça, là, la protéine. Fait que je peux vous montrer ce que j'ai acheté hier à l'épicerie au IGA. Hier, oui, j'ai acheté des œufs, des tigots, il était en spécial, du fromage de la vache qui rit, des coquelettes de porc qu'on va manger ce soir, de l'eau pétillante, des échalotes, du yogourt, et oui, j'ai à la Pocatière, du poireau, du jus d'orange. On a commencé de plus en plus à mettre des barreux. Ensuite, je peux s'acheter des chips, miel et moutarde. Ils sont dans le bureau. Là, je vais préparer la sauce hollandaise que j'ai achetée en sachet. La sauce, ça va être des coquelettes de porc, puis je vais justement faire une sauce béarnaise avec. J'en ai pas, mais je vais peut-être prendre une béchamel ou une autre sauce, ail crémeux, puis patenter quelque chose. Ces temps-ci, on patente avec ce qu'on a. Vous savez. Là, dans une des vidéos, vous allez voir, je fais une recette de ma nouvelle revue.
Mais la revue 515 que j'ai reçue par la poste, je l'ai reçue d'avance, celle du mois de février, puis j'ai déjà deux recettes de fêtes délicieuses. Un repas principal, j'ai fait des pâtes aux tomates et basilic, mais moi c'est tomates et origan parce que j'avais plus de basilic. Tomates et basilic. Avec des. En fait, c'est des linguines aux tomates et basilic. Au chocolat. La recette, c'est gâteau pudding au chocolat et fleur de sel, mais j'avais rien pour faire caramel. Puis, j'aime pas la fleur de sel. Fait que c'était super bon. Il m'en reste encore. Il est fondant, chaud. Ah, oh, puis hier, j'ai acheté de la crème glacée. On a mangé ça ensemble. C'était insane. Aujourd'hui, il faut que je fasse plusieurs choses. J'ai le ménage du congélateur. Pas le ménage, là, mais l'inventaire du congélateur, frigidaire, de lunch. Je devrais faire le ménage du bureau, mais ça va aller peut-être plus tard. Slash salle de jeu. Et que moi, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous amène avec moi dans notre journée. Il arrive quasiment 11h. Puis d'habitude, maintenant, je la couche vers les. Genre, ce temps-là. Je vais juste remplir vite le lave-vaisselle.
Il est présentement 7h52 et c'est là, que je vous reprends, que je vous reparle parce que j'ai quand même été pas mal occupée ces derniers temps. Mais je vous ai emmené avec moi. Je me souviens même pas la dernière fois que je vous ai parlé, je pense que c'est ce matin. Mais cet après-midi, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le déjeuner des œufs bénédictines. Par la suite, on a été tranquille. J'ai réussi à vous mettre le vlog du 30-30. J'ai réussi à vous mettre le vlog du 30-31 décembre. Fait que là, il n'y a plus de vlog de 2022 qui reste. On commence la nouvelle année avec les vlogs de 2023. Le vlog d'hier. Parfois, ça va recommencer avec hier et aujourd'hui. Je vais faire un mix des deux journées. Après ça, sur l'heure du midi, je vous ai montré un petit peu comment je faisais ma salade. J'ai essayé de donner à ma fille des légumineuses. Ça n'a pas fonctionné. À midi, là, j'avais fait une belle petite assiette avec concombre, puis poivron rouge, orange et jaune, des carottes cuites, puis des légumineuses. Une boîte de légumineuses que j'avais achetée hier à l'épicerie. Ça n'a pas fonctionné. Elle a quasiment rien mangé. On a mangé, mais pas énormément de ce qu'on voulait. On a terminé avec un petit lait protéiné. Et après ça, dans l'après-midi, moi, je me suis fait une salade. J'ai mangé une salade avec un croissant et de la confiture aux fraises. Ensuite, ce que je vous ai montré, c'est qu'on est allé prendre une marche. Dans le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. C'était pas l'idéal pour ma part, pour mon genou, parce que mon genou, à plusieurs reprises, voulait partir. Ma cheville, elle voulait partir. C'était glacé, c'était capoté, puis c'était pas vraiment l'idéal. Puis encore moi avec une poussette. C'est moi qui ai lancé à mon chum d'aller prendre une bonne petite marche de santé. Fait que je peux dire qu'on a fait une bonne marche de santé, du moins une heure. On a dû partir à 3 heures. Non. 2h15, puis on est revenu à 4 heures. Fait qu'environ quasiment 1h30. Il faisait beau, il faisait pas trop froid, puis ma fille, on l'habillait comme tout le monde, ça saute, puis toute la patente. Je vous ai fait un petit clip quand on était là-bas. On est revenu par le quartier. Après ça, en revenant à la maison, j'avais reçu mon chèque d'allocation familiale. Oh non, je me souviens, la dernière fois que je vous ai parlé, c'est dans la voiture, en s'en allant faire des commissions. C'est vrai, je ne me souviens. Oui, j'ai été faire un peu l'épicerie. Je suis allée à la SAC. À la SAC, je me suis acheté deux vins blancs, un vin rouge. J'ai acheté le vin Castillo de Montserrat. Ça, c'est un vin rouge qui vient de Spain, de l'Espagne. Puis deux vins blancs, dont la Sablette et dont un autre que je suis en train de boire. Mais j'ai même pas soupé encore. Mon chum est soupé, même pas moi. Je vais vous montrer. Hier, j'ai acheté des pommes chez IGA. Bon. Le deuxième verre de bouteille de vin que j'ai acheté, c'est le Robertson Winery, un produit de la Sud-Africa. L'Afrique du Sud. On va manger du porc ce soir. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté du jus de légumes pour mon chum. La crème à cuisson. Hier, j'ai acheté la confiture de fraises. Je pense que je vais faire un croissant. Puis la confiture de fraises, c'est tellement bon. Hier, j'ai acheté du jus d'orange. J'ai aussi acheté un mou de pomme comme ça, il est tellement bon. J'ai acheté de la crème sure, un petit brie au camembert, un petit camembert, un petit morceau de sucre à crème, une brique de fromage, du fromage en tranche, du fromage à crème, du lait, du boudin,
comme ici, j'ai acheté des raisins. J'ai du melon d'eau quelque part. Ici, un truc. Fait que... Ah! J'ai acheté du miel, du sirop de maïs parce qu'il était vraiment pas cher, de l'huile, de la mayonnaise parce qu'on n'avait plus pantoute, du papadum. C'est rare que j'ai envie d'en manger, mais bon. Les croissants du Costco sont bien populaires, hein, juste. J'ai acheté des bâtons et des petits fruits comme ça. Fait que pour souper, je vais me faire, je sais que ça va l'air tellement baisé comme souper, mais bon. Un croissant, le dernier croissant. Je vais garder mon sel parce que c'est encore bon. Un croissant, un petit peu de fromage avec des raclins et on finit avec des raisins. Après ça, je vais conclure le vlog pour la journée. Puis on va sûrement se reparler demain, ce 4 décembre. Demain, le 4 janvier, ma fille va avoir 13 mois. Et que nous, on va se reparler sûrement demain.